Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous sommes ton nom, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour le sang qui a été versé. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Hallelujah. Too much of excess love. Your love is kind. Your love is patient. You will fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Hallelujah. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Jesus, you love me too much. Too much of excess love. Too much of excess love. Your love for me too much. Too much of excess love. Too much, hallelujah. Jesus, you love.
Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa délivrance encore ce soir. Disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la libération. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta bonté. Nous te bénissons pour ta bienveillance. Nous te bénissons pour ton œuvre à la croix. Nous te bénissons pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te bénissons pour le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce, le sang de la faveur. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci, grand roi de l'univers, pour ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te révèlent. Bénissons le Saint-Esprit. Demandons, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous assiste dans ce programme de prière, l'esprit de grâce et de faveur. Alléluia. Saint-Esprit, merci, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous assister dans ce programme de prière. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. L'esprit de victoire, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de miséricorde, l'esprit de paix. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta prière, cher Saint-Esprit. Viens nous assister dans ce programme de prière. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous assister. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, l'esprit de miséricorde, nous bénissons ta sainte présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour toutes tes grâces, merci pour toutes tes grandes compassions. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange et d'adoration, Saint-Esprit, viens inonder nos vies, viens combler nos vies. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit, de venir ce programme de prière au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier, n'est-ce pas, ce soir. J'ai dit, n'est-ce pas, on scinde ça en deux, n'est-ce pas. Nous allons prier, bien-aimés, d'abord pour, n'est-ce pas, nous lever contre les oiseaux dévoreurs et leurs œuvres. Les oiseaux dévoreurs, ou ce qu'on appelle les oiseaux de proie. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Les mondes occultes utilisent parfois, bien-aimés, utilisent aussi, bien-aimés dans le Seigneur, les oiseaux. N'est-ce pas? Il y a des totems aussi bien aimés d'oiseaux, hein, dans certaines familles, certains pays, certaines coutumes, certaines tribus. Il y a des totems d'oiseaux. Hein, vous voyez, n'est-ce pas? Particulièrement, j'ai compris beaucoup de choses, n'est-ce pas? En priant, j'ai compris beaucoup de choses. Par exemple, dans ma famille, ma mère ne mangeait pas du tout, tout ce qu'il y a comme poule, ne mangeait pas. Les totems de la famille, c'était les lions. Les lions du côté de ma mère, les léopards du côté de mon père. Donc, ne pouvait pas manger la poule comme... Non, mon père ne mangeait pas. Mon père ne mangeait pas les pondeux et autres, ne mangeait pas. C'était comme on dit, n'est-ce pas,
et qu'il a. Donc, il ne peut pas manger. Interdit. C'est au fur et à mesure que j'ai pris, j'ai compris pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tous ces interdits. Voilà, des interdits. Pourquoi ces interdits? J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que les lions ne pouvaient pas manger, ne mangent pas certaines choses, les lopins ne mangent pas certaines choses. C'est après que j'ai compris. Les lions ne mangent pas les légumes, ne mangent pas les pondos, ne mangent pas, voilà. C'est normal. C'est en grandissant que j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, les oiseaux de proie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le symbole du mal. Les oiseaux, c'est le symbole de la destruction. Les oiseaux, c'est le symbole du diable aussi. C'est le symbole du diable. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, les oiseaux, bien-aimé, symbolisent, pas tous les oiseaux. Déjà, nous lisons la parole de nouveau, n'est-ce pas? Il y a des oiseaux qu'on a interdits, qui étaient en abomination à l'Éternel. Et c'est la plupart de ces oiseaux qui sont des oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimés? Des oiseaux destructeurs. La plupart qui sont des oiseaux destructeurs. Et nous allons prier, bien-aimés, pour détruire, n'est-ce pas, la sorcellerie qui se cache derrière des oiseaux ou qui, les gens qui se transforment en oiseaux. Vous allez voir la plupart des cas, n'est-ce pas, quand les magiciens font des magies, généralement, ils font sortir les oiseaux. Donc, les oiseaux, bien-aimés, dans l'océan viennent détruire. Les oiseaux s'élèvent, bien-aimés, contre, n'est-ce pas, certaines alliances qu'on a faites avec Dieu. Les oiseaux s'élèvent, bien-aimés, contre la vie chrétienne. Contre, bien-aimés, dans le Seigneur, les promesses de Dieu. Ils veulent venir voler notre bénédiction. Ils détruisent, ils volent la bénédiction. Les oiseaux, bien-aimés, n'est-ce pas, boivent le sang. Il y a des oiseaux, bien-aimés, qui s'enivrent du sang. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a tout un tas d'espèces d'oiseaux, n'est-ce pas, qui se régalent de la chair humaine et qui se régalent, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, du sang humain. L'aigle, par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, il profite, n'est-ce pas, des gens qu'on n'a pas enterrés, qui n'ont pas été enterrés, des cadavres, n'est-ce pas, il mange les cadavres, que ce soit des charognards, que ce soit les carcasses, n'est-ce pas, bien-aimé, d'autres animaux, d'êtres humains, bien-aimé, ils en mangent. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que la symbolique des oiseaux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est, on voit par là, n'est-ce pas, la destruction, on voit par là la mort, on voit les malheurs, la malédiction, n'est-ce pas? Le mal, la puissance du mal, la puissance destructrice, la puissance des mal. Donc, bien-aimés, symbolise le mal, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Les oiseaux symbolisent le mal. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons clairement comment. D'abord, Abraham qui fait alliance avec Dieu. Il dort pendant qu'il dormait, n'est-ce pas? Il voit, n'est-ce pas? Les oiseaux de proie vont s'abattre sur les cadavres. Alors qu'il venait, n'est-ce pas, de sacrifier à Dieu. S'élever, bien-aimé, contre ce qu'il avait sacrifié. Abraham les chassa. Bien-aimé, les oiseaux, n'est-ce pas, s'élèvent, bien-aimé, dans le ciel pour, n'est-ce pas, bien-aimé, détruire, n'est-ce pas, notre alliance que nous avons faite avec Dieu. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie s'élève pour, n'est-ce pas, bien-aimé, te mettre mal à l'aise dans l'alliance que tu as faite avec Dieu. Tu as fait l'alliance de servir Dieu. Tu as fait l'alliance de donner à Dieu. Tu as fait l'alliance de faire quelque chose pour Dieu. La sorcellerie va s'élever, n'est-ce pas, pour combattre cette alliance. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Pour combattre cette alliance. Et Abraham les a chassés, bien-aimé. Il faut chasser, bien-aimé, dans l'autre. La sorcellerie, n'est-ce pas, qui s'élève contre, n'est-ce pas, bien-aimé, l'alliance que tu as faite avec Dieu. Vous allez voir, tu as fait l'alliance ici, je vais aller nettoyer l'église, je vais aller, n'est-ce pas, ou je vais commencer à faire du bien au serviteur de Dieu, je vais commencer, n'est-ce pas. Dès que tu fais une alliance, un deal avec Dieu, la sorcellerie va s'élever, bien-aimé, pour attaquer ce deal-là. Pour t'empêcher, bien-aimé, le Seigneur, à ce que ce deal-là, n'est-ce pas, tu entres dans ce deal-là, la sorcellerie va s'élever pour attaquer. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillir. Le verset 13 nous dit que l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 430 ans. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, là, on voulait empêcher cette réalité spirituelle. La sorcellerie, bien-aimé, s'élève pour attaquer même, bien-aimé, nous attaquer même dans le rêve. Empêcher, bien-aimé, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Empêcher que Dieu se révèle à nous. La puissance de la sorcellerie s'élève pour empêcher que Dieu se révèle à nous. La puissance de la sorcellerie, la puissance de l'occultisme attaque même dans le Seigneur, les promesses de Dieu, attaque notre alliance avec Dieu. Et même devant nous lever dans la prière, bien dans le Seigneur.
Nous devons nous lever dans la prière pour briser cette puissance qui s'élève, n'est-ce pas, pour empêcher tout ce que nous avons comme promesse avec Dieu. Eh bien, ça vaut la peine, bien dans le Seigneur. Ça vaut la peine. Des oiseaux, n'est-ce pas, des ruines qui sont dans les ruines, bien dans le Seigneur. La plupart des oiseaux, n'est-ce pas, ce sont des oiseaux dont Dieu déjà, dans la parole, ce sont des oiseaux qui sont déjà en abomination à l'Éternel. La plupart des oiseaux. Je vais en citer quelques-uns. C'est pourquoi, bien, mais certaines personnes qui sont sous la malédiction, Dieu les livrait. Des gens qui étaient sous, Dieu les livrait, n'est-ce pas, que quand ils mourront, n'est-ce pas, bien, mais que leur corps soit mangé par les oiseaux du proie. Donc, ils profitent, bien, mais la sorcellerie profite, bien, dans le Seigneur, des problèmes que nous avons avec Dieu, n'est-ce pas, pour nous nuire, pour nous détruire. Lorsque tu as quelque chose avec Dieu, tu ouvres la porte, bien, aux oiseaux de proie. Lorsque tu n'es pas, bien aimé, en bonne connexion avec Dieu, bien aimé, c'est une porte ouverte à la sorcellerie. Ils vont venir te détruire. Les cadavres de ce peuple seront en la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. C'est-à-dire pour troubler les oiseaux qui viendront, n'est-ce pas, bien aimé, pour détruire, n'est-ce pas, bien aimé, les corps là. Rappelez-vous, bien aimé, les enfants, les petits-enfants, n'est-ce pas, de Saül. Riche pas. L'un des fils, les enfants de Riche pas été tué parmi les enfants à cause de l'histoire des Gabaonites. Mais Riche pas, bien aimé dans le ciel, elle est restée juste à empêcher les oiseaux de venir manger les corps de ses enfants pour que les enfants puissent avoir un enterrement digne. Ça veut dire quoi, bien aimé? Nous devons nous lever contre la puissance de la sorcellerie, qu'elle ne vienne pas détruire ce qui est à nous. Même si les choses se gâtent, ne donnez pas, bien aimé, à la sorcellerie de nous achever. Parce que Dieu a le pouvoir, n'est-ce pas, de ressusciter. Ne donnez pas l'occasion à la sorcellerie de nous achever, de nous détruire, de détruire même le peu qui nous reste. De tuer même l'espérance que nous avons encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever contre la puissance de la sorcellerie. Regardez un peu les oiseaux de proie. Alléluia. Regardez un peu dans Lévitique. Nous montre la plupart de ces oiseaux-là. Lévitique 11, le verset 13. Les mille ans. L'autour et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ces espèces, l'autruche, les hiboux, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Vous voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Les corbeaux. Et puis, les chat-huants, ça c'est les hiboux, les plongeons, la chouette, la cygne, les pélicans, les cormorans, la cigogne, les hérons et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Bien dans le Seigneur. Ces oiseaux-là, n'est-ce pas, bien sûr, ce sont des oiseaux, n'est-ce pas, des ruines. Par exemple, dans Psaume 102, le verset, je ressemblerai aux pélicans du désert, je suis comme les chats huants de ruines. C'est-à-dire que je vais ressembler aux pélicans du désert, comme je suis comme les chats huants. Les chats huants de ruines, c'est les hiboux de ruines. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de ces oiseaux, n'est-ce pas, c'est ce que vous voyez, par exemple, dans Job 39, Job est en train de parler comment ces oiseaux boivent le sang. Hein? Il dit Job 39, le verset 25, je ne projette pas. Il dit, quand la trompette sonnera, il dit en avant. Et de loin, il flairait la bataille, la voix tonnante des chefs et des cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Est-ce qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Dès là, il épie sa proie, il plonge au loin le regard. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Bien aimé, l'aigle boit le sang. Ce sont des charognards, n'est-ce pas, bien aimé, qui boivent le sang. Bien aimé dans le Seigneur. Les charognards qui boivent le sang, qui sont prêts à détruire. Quand il y a une malédiction quelque part, ils viennent, n'est-ce pas, pour achever. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prier. Briser les malheurs. Que ces oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la sorcellerie se cache derrière les oiseaux pour amener les malheurs dans les vies des gens. Nous devons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous lever. La chouette et les corbeaux l'habiteront. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever. C'est là que l'Apocalypse 18, le verset 9, il crie d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Là, nous voyons clairement, bien aimé, dans le Seigneur, que ces oiseaux, la plupart des oiseaux, n'est-ce pas, bien aimé, symbolisent pas la puissance,
les esprits impurs. Dans certains rêves, mais quand on voit les esprits impurs, ça symbolise par la puissance du mal, la puissance de la sorcellerie, la puissance démoniaque, la puissance destructrice. Nous refusons, bien-aimés, dans le ciel, que nous soyons, n'est-ce pas, bien-aimés, le repère de toutes ces choses-là. Et Satan, bien-aimés, c'est le symbole, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le ciel, de ces oiseaux destructeurs. Hein. Dans Matthieu 13, le verset 4, on dit, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux ont mangé, n'est-ce pas, bien-aimés, cette semence-là. Mais on comprend, n'est-ce pas, ces oiseaux-là, bien-aimés, on dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voilà comment Satan, bien-aimés, c'est le symbole, n'est-ce pas, de cet oiseau qui vient manger la parole. Satan vient voler la parole. Il vient voler, bien-aimés, ce que nous avons semé, ce qui a été semé en nous. On a semé la confiance dans ton cœur. On a semé la joie dans ton cœur. Satan vient te voler la joie. C'est un voleur. Ce sont ces oiseaux, bien-aimés. La sorcellerie vient, n'est-ce pas, t'attaquer. Les esprits viennent t'attaquer pour t'enlever la joie. Pour t'enlever la paix. Pour t'enlever la tranquillité. Pour t'enlever, bien-aimés, dans le Seigneur, la force. Pour t'enlever, bien-aimés, dans le Seigneur, tout ce que l'amour. Bien-aimés, dans le Seigneur. Les oiseaux viennent enlever l'amour. Voler l'amour dans les cœurs des gens. On fait des fétiches, n'est-ce pas, mais on envoie les oiseaux pour venir voler l'amour dans les cœurs des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons refuser, n'est-ce pas, que nous soyons, n'est-ce pas, la proie à ces oiseaux, comme, n'est-ce pas, bien-aimés, cet homme-là qui était les chansons, n'est-ce pas, il a fait les rêves et Joseph est devenu, n'est-ce pas, bien-aimés, lui interpréter les rêves. Il dit, les chefs des panetiers, n'est-ce pas? Les panetiers, n'est-ce pas? Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, il dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille, la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Et Joseph répondit, il dit, voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Et encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi et te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Vous voyez, n'est-ce pas? Les oiseaux mangeront ta chair. Les oiseaux viennent pour, n'est-ce pas, bien-aimé, au-dessus de sa tête, n'est-ce pas, prendre, voler ce qui était au-dessus de toi. Ça symbolise, n'est-ce pas, la destruction. Pendu la tête. La destruction. Bien-aimé, nous allons élever nos voix. Nous avons parfois les hiboux, n'est-ce pas, qui symbolisent la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Les hiboux et toutes les chaïois, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, les corbeaux noirs qui symbolisent la mort. L'esprit de mort, le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever, n'est-ce pas. On va prier, nous allons lever nos voix. Nous allons proclamer 3 fois Jésus est Seigneur. Nous allons invoquer le nom de Jésus, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dans nos familles, dans nos vies, bien-aimé. Là, on a fait, bien-aimé, alliance avec les oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Élevons nos voix. Comment ça prie, tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon, grand roi de l'univers, à cause de certaines alliances qui ont été scellées dans nos familles. Tendre Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne. Ton autorité, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus Christ, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant, merci, merci grand roi de l'univers, merci puissant de Jacob, merci éternel Dieu tout puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, maître du ciel et de la terre, ta miséricorde et ton pardon, à cause des alliances, des animaux, des oiseaux totems, alléluia, dans nos familles, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu tout-puissant, lève-toi Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci grand roi de l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous avons, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici, je vous ai donné, lisons tous ensemble, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout à l'heure, on a vu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'oiseau vient voler la parole,
Nous allons lever, bien-aimés, contre la puissance maléfique qui vient voler l'amour, qui vient voler la paix, qui vient voler la joie, bien-aimés, dans les cœurs des enfants de Dieu. Nous allons lever, bien-aimés, contre la puissance du mal, la puissance satanique qui vient voler l'amour, la joie, la paix dans les cœurs des enfants de Dieu, qui vient voler, bien-aimés, dans le Seigneur, l'espérance qui vient voler, n'est-ce pas, la foi. Nous allons nous lever contre la puissance maléfique, la puissance satanique qui vient voler, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, qui vient voler, n'est-ce pas, bien-aimés, toutes ces béatitudes, qui vient voler, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? L'espérance, la paix, la joie, la bénédiction. Nous allons lever contre la puissance satanique. Alors, proclamons trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est notre Père. Nous élevons le Seigneur contre, nous élevons Seigneur notre Dieu contre les oiseaux. Les oiseaux, c'est notre Dieu qui symbolise la puissance du mal. Nous levons contre la puissance du mal. Au travers des oiseaux maléfiques, nous brisons la puissance du mal. Au nom de Jésus Christ, nous nous levons contre, éternel notre Dieu, contre la puissance maléfique. À travers les oiseaux des proies, à travers les oiseaux dévoreurs, nous brisons la puissance du mal, la puissance satanique. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Nous nous levons contre la puissance maléfique, la puissance satanique. Nous la brisons, nous la détruisons au nom puissant de Jésus et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, tant de paix. Nous nous levons contre les vols, c'est notre Dieu, les vols de la parole. Bien, lève-toi contre les vols de la parole, les vols de la parole, les vols de l'amour dans les cœurs. Seigneur notre Dieu, je me dresse contre ces oiseaux de proie qui viennent pour voler la parole dans les cœurs de mon frère, dans les cœurs de ma soeur. Je me dresse contre tous ces oiseaux de la sorcellerie qui viennent pour voler l'amour, qui viennent pour voler la joie, qui viennent pour voler la paix dans les cœurs, qui viennent pour voler l'espérance dans les cœurs. Tendre Père, alléluia, je me lève contre ces oiseaux maléfiques au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, merci pour ta victoire. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Contre les oiseaux dévoreurs, n'est-ce pas? Les oiseaux dévoreurs, les oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimé? Contre, n'est-ce pas, bien-aimé, la sorcellerie, n'est-ce pas, qui s'est transformée en oiseau. Je vous assure, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Une fois, j'ai été victime de deux oiseaux, n'est-ce pas, devant la porte de ma maison. Et la nuit, Dieu nous révèle, n'est-ce pas, de faire l'onction d'huile dans la parcelle. On a fait l'onction d'huile dans toute la parcelle. Le lendemain matin, deux oiseaux, bien-aimé dans le Seigneur, devant la porte de la maison, morts. Bien-aimé, nous allons prier. Les oiseaux, bien-aimés, n'est-ce pas, de la sorcellerie, n'est-ce pas, qu'on envoie pour semer la mort dans ta maison. Les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux de la destruction, bien-aimés, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Que les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux de la destruction, les oiseaux de la mort, bien-aimés, les oiseaux de la destruction, n'est-ce pas, que le feu de Dieu le consume. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un de trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du bien-aimé commence à consumer, n'est-ce pas? Invoque le feu, n'est-ce pas, pour consumer les oiseaux de la sorcellerie, n'est-ce pas, bien-aimé? Les oiseaux de l'occultisme. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de voir. Que le feu de Dieu consume, c'est notre Dieu. Les oiseaux de la sorcellerie. Les hiboux, bien-aimé, invoque le feu pour consumer les hiboux. Alléluia, tendre Père. Nous invoquons le feu de voir pour consumer les hiboux, pour consumer les corbeaux. Tendre Père, que ton feu consume les hiboux, consume les hiboux, consume le corbeau, consume tout autre oiseau de la sorcellerie qui vient semer la mort, la destruction dans ma famille, dévorer les vies dans la famille, dévorer les choses. Tendre Père, que ton feu consume ces oiseaux destructeurs, ces oiseaux dévoreurs, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit, les oiseaux de la sorcellerie, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, consume les oiseaux dévoreurs, qu'ils soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Que les oiseaux de la sorcellerie soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lever, bien-aimé, contre les oiseaux des morts, les vautours noirs. Que ce soit les corbeaux noirs, bien, nous allons nous lever contre les vautours, les corbeaux, n'est-ce pas? Ce sont les oiseaux de la sorcellerie qui viennent semer la mort. Nous allons nous lever contre la puissance de la mort, n'est-ce pas, bien-aimé? Qui est la puissance de la sorcellerie qui vient semer la mort à travers, n'est-ce pas, des oiseaux. Les oiseaux noirs, les corbeaux noirs, n'est-ce pas, les vautours noirs, n'est-ce pas, les perviers noirs. Nous allons nous lever, bien-aimé, contre ces oiseaux-là. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit, consume les oiseaux de la sorcellerie qui viennent semer la mort.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, puissant de Jacob, Dieu tout-puissant, que tu t'élèves au nom puissant de Jésus-Christ. Maître de ces Seigneurs, lève-toi au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, ne quittez pas, bienvenue dans le Seigneur. C'est l'attaque de la sorcellerie. Nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie, bien aimé. Tu nous allons nous lever encore. Bien, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Nous allons neutraliser la puissance de la sorcellerie à travers les oiseaux, à travers les hiboux, bien aimé, à travers les, bien aimé, les corbeaux et autres. Nous allons lever contre la puissance, l'attaque de la sorcellerie à travers, n'est-ce pas, des oiseaux dévoreurs, des oiseaux destructeurs, bien évidemment. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous invoquons ton feu sur notre Dieu, sur les oiseaux de la sorcellerie, les oiseaux sur notre Dieu téléguidés dans le monde occulte. Nous invoquons le feu sur les oiseaux de la sorcellerie, les hiboux, les corbeaux et autres. Que ton feu consume ces oiseaux, les oiseaux sur notre Dieu de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci grand roi de l'univers, merci pour ta victoire. Nous détruisons ces oiseaux destructeurs, les oiseaux dévoreurs, les oiseaux de la sorcellerie. Que ton feu le consume, que ton feu le détruise. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Que ces oiseaux de la sorcellerie, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient paralysés. Au nom puissant de Jésus, les oiseaux démons, les oiseaux de la sorcellerie, que ces oiseaux soient consumés par le feu dévorant. Tendre Père, merci. La puissance de la sorcellerie à travers les oiseaux, qu'elles soient neutralisées, qu'elles soient brisées. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia, tendre Père, merci. Oh, Robo Yakaraba. Nous allons élever nos voix, bénis dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir, n'est-ce pas? Nous allons lever contre la mort, n'est-ce pas? Les oiseaux, n'est-ce pas, symbolisent la mort. Nous allons lever contre la mort, n'est-ce pas? La mort sponsorisée, bien aimé, par les oiseaux de la sorcellerie. La mort sponsorisée par les démons. Nous allons briser la puissance de la mort, sponsorisée par la sorcellerie, sponsorisée par l'occultisme, sponsorisée par la magie. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Nous allons détruire la puissance de la mort, sponsorisée par les démons, sponsorisée par la magie, sponsorisée par la sorcellerie, sponsorisée par l'astrologie et autres. Nous allons briser la puissance de la mort. Les oiseaux qui viennent pour semer la mort dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé, Seigneur, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta destinée, bien-aimé. Enlevé contre la puissance de la mort. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un de toi. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu, grand roi de l'univers. Nous nous lèvons, éternel, notre Dieu. Nous nous lèvons, en nos puissants de Jésus-Christ, pour consumer, détruire la puissance de la mort. Nous nous lèvons contre la mort. La mort, c'est notre sponsorisée par la sorcellerie. La mort sponsorisée par l'occultisme. La mort sponsorisée par la magie. Nous nous lèvons contre la puissance de la mort. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Nous brisons la puissance de la mort. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Que la puissance de la mort soit neutralisée, que la puissance de la mort soit brisée. Nous brisons la mort sponsorisée par la sorcellerie à travers les oiseaux de proie, la mort sponsorisée par la sorcellerie. Nous brisons la puissance de la magie sponsorisée par les oiseaux de mort, les hiboux, les corbeaux et autres. Tendre Père, nous les font contre la puissance de la mort, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons briser la malédiction. Ces oiseaux, n'est-ce pas? Alléluia, symbolisent la malédiction. Ces oiseaux, n'est-ce pas, viennent semer la malédiction, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que ça soit dans le rêve. Nous allons nous lever contre les attaques, n'est-ce pas, ou les oiseaux qui viennent dans nos rêves, n'est-ce pas? Nous allons briser, n'est-ce pas, tout le rêve des oiseaux, les attaques dans les rêves, les malédictions, n'est-ce pas, bien-aimé, prononcées par ces oiseaux, n'est-ce pas? L'oiseau est en train, bien-aimé, dans la scène de chanter, tu ne sais pas si quel chant il s'agit, bien-aimé, c'est en train, n'est-ce pas, de répandre la malédiction. Nous allons briser la malédiction à travers la sorcellerie, de la sorcellerie, n'est-ce pas, à travers les oiseaux. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous lèvons contre, c'est notre Dieu. La puissance de la malédiction, c'est notre sponsorisé par les oiseaux de la sorcellerie. Nous brisons la malédiction. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire. Les dieux de grâce. Les dieux de faveur. Les dieux d'amour. Les dieux de paix. Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Nous brisons la
puissance de la sorcellerie et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Nous brisons toutes les malédictions prononcées sur notre à travers les oiseaux de proie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, merci. Nous brisons les malédictions dans nos maisons, dans nos familles, à travers la sorcellerie sponsorisée par les oiseaux. Tendre Père, nous nous lèvons contre les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Et le Seigneur, nous allons lever contre les esprits impurs, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons lever contre les esprits impurs. Les esprits qui viennent pour souiller les vies, souiller les maisons, souiller notre destinée, bien-aimés. Nous allons nous lever contre les esprits impurs. Alléluia. Les oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimés, symbolisent les esprits impurs. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? On dit qu'il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Nous allons lever, mes amis, contre, n'est-ce pas, bien-aimés, ces esprits impurs qui viennent souiller nos vies à travers, n'est-ce pas, des oiseaux impurs. Alléluia, nous allons lever nos voix, bien-aimés, nous allons lever contre, n'est-ce pas, bien-aimés, les démons qui viennent souiller nos vies, souiller nos familles, souiller nos bénédictions, bien-aimés, souiller notre vie, souiller nos couples, souiller les mariages, souiller les enfants, souiller les relations. Nous allons lever, bien-aimés, contre les esprits, les démons qui viennent pour souiller, contre la puissance de la société, qui viennent pour souiller les vies. Au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos Tendre Père. Nous nous lèvons contre les esprits impurs qui viennent pour souiller nos vies, souiller nos familles. Au Tendre Père, que ces esprits soient neutralisés, soient brisés. Les démons des cieux. Les démons des cieux. Les esprits impurs qui viennent pour souiller nos couples. Suyez les familles, suyez, c'est notre Dieu, le foyer, suyez les relations, suyez nos bénédictions, suyez notre vie chrétienne. Nous nous lèvons contre ces esprits impurs, les esprits des sueurs. Nous le neutralisons, qu'ils soient brisés, neutralisés par le feu de vos rangs, par le feu du Saint-Esprit. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Lève-toi dans nos vies, dans nos familles, c'est notre Dieu. Nous avons été bénis, toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous proclamons que nous sommes d'un peuple béni au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous nous lèvons, c'est notre Dieu. Contre ces oiseaux de proie, contre ces oiseaux dévoreurs, que ces oiseaux soient neutralisés au puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant invoquer le feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour terminer. Que tous les oiseaux, n'est-ce pas, dévoreurs, qui t'attaquent, que ça soit dans le rêve, que ça soit la nuit, que ça soit en journée, bien, mais quel que soit, n'est-ce pas, les moyens qu'ils utilisent, n'est-ce pas. Alors, nous allons invoquer le feu de Dieu. Quel que soit le sorcier, mais qui utilise, n'est-ce pas, mais la forme d'oiseau pour t'attaquer. Nous allons invoquer le feu dans nos maisons, n'est-ce pas, bien-aimé. Que tout oiseau impur, tout oiseau téléguidé dans le monde occulte soit consumé, neutralisé au nom de Jésus. Nous allons invoquer le feu sur tous les oiseaux. Alléluia. Qui nous attaquent, ou qu'on nous a envoyés, ou qu'on a préparé de nous envoyer. Que le feu de Dieu le neutralise au nom de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un de trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous invoquons le feu, c'est notre Dieu. Alléluia, sur tous les oiseaux impurs, les oiseaux qu'on envoie contre nos vies, c'est notre Dieu. Tous les sorciers qui se transforment en oiseaux, nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le neutralise, les paralyse au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que le feu de Dieu consume ces oiseaux impurs. Soit consumé par le feu de vos rangs, les oiseaux impurs, les oiseaux, c'est notre Dieu, téléguidés dans les mondes occultes, téléguidés dans les mondes spirituels, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit, les oiseaux dévoreurs, les oiseaux destructeurs, qu'ils reçoivent le feu du Saint-Esprit, c'est notre Dieu, merci. Les oiseaux qui viennent pour créer les accidents, les oiseaux qui viennent pour semer la mort, les oiseaux qui viennent pour créer la pauvreté, les oiseaux qui viennent pour créer les maladies, les oiseaux, c'est nous qui viennent pour créer les maladies, semer les maladies, tendre père, que ces oiseaux soient consumés par le feu du Saint-Esprit, les oiseaux qui viennent pour semer les maladies, au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, merci. Nous allons lever, n'est-ce pas, bien-aimés, que les oiseaux qui viennent semer les maladies, qui viennent semer la pauvreté. Nous allons dire que tous les oiseaux, n'est-ce pas, qu'on envoie pour semer la pauvreté, la maladie dans ma vie, la pauvreté, la maladie, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit. La pauvreté, la maladie, n'est-ce pas, les divorces, les séparations dans les couples, que ces oiseaux, n'est-ce pas, bien-aimés, reçoivent le feu, que tous les oiseaux, n'est-ce pas, qu'on envoie dans les mondes occultes, n'est-ce pas, pour semer la pauvreté, la maladie, n'est-ce pas, les divorces dans les couples, les oiseaux destruits. Nous allons prier que ces oiseaux soient neutres. Neutralisons au nom de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Tendre Père. Nous élevons nos voix. Nous proclamons la victoire. La victoire, c'est l'ordre du feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume les oiseaux qui viennent pour semer la pauvreté dans nos familles. Les oiseaux qui viennent semer la pauvreté.
les oiseaux qui viennent semer la misère, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les oiseaux qui viennent pour semer la pauvreté, semer la misère, semer la destruction, les oiseaux de la pauvreté, 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 les oiseaux de la mort, les oiseaux, c'est l'odeur de la maladie, les oiseaux qui viennent pour semer les maladies dans les vies, dans les couples, les maladies héréditaires, les maladies, c'est notre Dieu, alléluia, les maladies, c'est inguérissable. Que ces oiseaux reçoivent le feu de vos rangs, les oiseaux qui ont été programmés, c'est notre Dieu, pour semer les malheurs, que ces oiseaux, les oiseaux des malheurs, les oiseaux des malheurs, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit, les oiseaux qui ont été téléguidés dans le monde occulte, qui ont été téléguidés dans les airs, dans les eaux, c'est notre Dieu, téléguidés dans les forêts, que ces oiseaux reçoivent le feu du Saint-Esprit, quel que soit le lieu là où ils se cachent, que le feu de Dieu le neutralise, le consume au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Gloire et louange. Élevons nos voix. Commence à rendre grâce au Saint. Seigneur, merci. Bénis le Seigneur. Rends grâce au Saint. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, notre Dieu, merci. Bénis, tu vas prier. Alors, tu dis, mais Seigneur, notre Dieu. Tu dis merci, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas dire, Seigneur, que la vie des dieux, n'est-ce pas? Alléluia. Engloutisse la mort, engloutisse la pauvreté, la misère, semée par les oiseaux de la sorcellerie. Alléluia. Élève la voix, n'est-ce pas? Élève la voix. Jésus, Seigneur, Jésus, merci que ta vie, n'est-ce pas? Engloutisse la mort, la misère, la souffrance, les malheurs, le mal, semé par la sorcellerie. Tendre Père, alléluia. Que le bien, n'est-ce pas? Engloutisse le mal, semé par les oiseaux. Alléluia. Les oiseaux de la sorcellerie. Tant les oiseaux semés, bien-aimé, à l'intelligence dans le monde occulte. Que le bien envahisse, que le bien engloutisse le mal, que le bien engloutisse le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Que la mort engloutisse la vie au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Tendre Père, merci, c'est notre Dieu. Que les oiseaux de la mort soient engloutis par la vie de Dieu, Zoé. Que le mal soit englouti par le bien au nom de Jésus-Christ. Le bien, Jésus-Christ. Le bien, Jésus-Christ. Engloutisse le mal satanique, le mal démoniaque, le mal de la sorcellerie. Soit englouti par le bien de Jésus-Christ dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Que la vie engloutisse la mort dans la vie de mon frère. Que la pauvreté soit engloutie par la bénédiction, alléluia, la richesse au nom de Jésus, que la malédiction soit engloutie par la bénédiction au nom puissant de Jésus. Tendre Père, que les oiseaux de la pauvreté soient engloutis, que les oiseaux de la misère soient engloutis, que les oiseaux du mal soient engloutis, les oiseaux, Seigneur, des malheurs, les oiseaux de l'amour soient engloutis au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'homme de la croix. Merci Seigneur notre Dieu. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. La gloire de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel notre Dieu fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Bien entendu, c'est la première partie. La deuxième partie commence dans une trentaine de minutes. On prend la deuxième partie. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Dans 30 minutes, on prend la deuxième partie. Et pour terminer, comme on a toujours terminé à 1h30. Voilà, j'ai scindé ça en deux parties, n'est-ce pas, bien entendu, parce que voilà, soyez bénis. À bientôt, n'est-ce pas? Ne dormez pas. Je vous aime beaucoup. Hein? Très bientôt, merci.